Yo les gens, c'est Geekaz. Et ouais, on se retrouve simplement ce que c'est écrit là-bas. Voilà, là-bas. Ding ding. Avatar Frontier of Pandora. Épisode 7, les gars, 7. Eh ben, on va prendre ça de suite et on va voir comment ça se passe, ça. On s'est arrêté juste ici. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est parfait, heureusement qu'on s'arrête comme ça, c'est parce que sinon, pas possible, on peut sauvegarder. Donc elle m'a dit que je profite. Donc on va profiter au max, les gars. On reste Je appuyé peux sur faire E. quelque chose? Oh, tu peux faire quelque chose, mais bien sûr. Oh là là, attends, 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 attends. Tout ça, c'est gratuit, tu vas me dire? Pas assez, d'accord. Ok, c'est ce que je me disais aussi. Pas assez, pas assez. Attends, attends, N'hésite. attends. J'ai Je pas peux vu. faire quelque chose? Ouh, il y a les plans. What the fuck, il y a des plans, les gars. Attends, on va prendre le haut. Oh, le bordel. Attends, 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 attends. Si je comprends bien, on peut le faire nous-mêmes ou pas? Attends, fais péter. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? What the fuck? Dis-moi qu'on peut faire nous-mêmes. Ok. Cosmétique, qu'est-ce que... Bon, ok. Oula, c'est quoi tout ça là? Ouais. Ouf. Ok. D'accord. Même ça, on peut les modifier. Les gars, c'est un truc de ouf. Ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Pas mal. Ok. Non. Non. Viens me voir si tu as besoin d'autre chose. Ouais, ça, c'est à voir en tout cas. Attends. Par contre, moi. Voilà. On va faire 90. C'est bizarre ça. G. 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 Ok. Commande. Sensibilité. Voilà. Sensibilité, on va faire 20. On va faire 70, voilà. Ok, un tout chouïa. Je monte un chouïa et normalement c'est bon, les gars. 20, donc on va monter à 40. C'est parfait. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Oui, je m'excuse, madame. J'arrive, c'est parti. Ah ouais. C'était un temps d'une grande tristesse. Et Ewa a tant pleuré qu'un grand lac s'est formé. Et ses Non larmes mais ont coulé sérieux, et c'est un creusé truc des de ouf. rivières dans le... Merde! Relou! Oula, attention. Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec un Sarentu qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Exactement. Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Ok. Bon. Reloun est un peu colérique. Mais c'est le meilleur cuisinier. Ah, c'est un custo. Un custo, ok. Attends, madame, attends. De toute façon, on va revérifier tout ça là. Et voici mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà le jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable.
aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolé, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Pas mal. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Okay. Sturmbeast, cet enfant s'est chassé. Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itou est parti chasser. Je suis sûr qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, ma Yantu. Ma Yantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Kanat, ok. Bon bah les gars, let's go. Mais rien ne presse, mon. On va parler. De quoi as-tu besoin? Oulolo, c'est quoi tout ce bordel? Ok, ça, ça coûte combien? C'est que pas assez de faveur de clan. Faveur de clan. Prends bien soin de ton arc. Regarde ce que j'ai. Pas mal. Fais-en bon usage. Bon, pardon. Hop, on va essayer de voir. J'y vais. Lek, je suis arrivé chez les Aranahe. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueilli. Nefika. Elle pense que je peux impressionner Kanat en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser. J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Itou. Fais attention. Tu n'as rien à leur prouver. Tu es Sarentu et Kanat devraient respecter ça. Reviens au QG quand tu veux, d'accord? Tu n'es pas seul. Et on a encore beaucoup à faire ici. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Ok, ça c'est les quêtes. Ok, ça c'est quoi? Bababam, bibum, bimbam. Non, ça, ouais. De toute façon, ça, il faut vraiment que je regarde qu'est-ce que c'est que ça. Ah, on peut pas voir sur... Ok, ça, on peut le voir. Ok, on commence à appuyer sur la map. D'accord. Ok. Oh, le bordel, ce que je viens de faire. Ah, vous avez vu la map? Mais merde, hey, mais c'est un truc de ouf, un truc de dingue. Ah ouais. Avant, ouais, attends, ça c'est un truc de ouf, attends. Oh le ouf. De ouf quoi. Ok, ça c'est pas mal ça. Flèche ascendante. Ok. Oh le bordel. Bon. Ok, je dois aller par là. Ok. Pauvre Kinglore. Leurs fleurs se rouvriront-elles? Non, pas tant que ceux qui viennent du ciel seront là. Tu penses vraiment est-ce que qu'on peut y aller tout là-haut? Les Kinglore sont si nombreux. Leur nid déborde. C'est à cause des Tuwa. Elles ne s'occupent pas d'eux correctement. Dommage qu'elle n'ait pas réussi à suivre la voie de sa mère.
Bon les gars, on va aller en bas. Allez, let's go les gars, let's go. On va essayer de voir. Ok, bah écoute, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça, ok, soit deux. Ok. C'est Itou ? Ton Ikran est magnifique. Ikran. Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Pas mal. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je... Je cherche Itou. Ah si, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. C'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Mais ouais, man. Que pourrait-il comprendre? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend forts, intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stambistes. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Tu es un bon chasseur? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années? Ton peuple a trouvé un endroit spécial, où les animaux se laissent abattre paisiblement? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Ok, let's go. Arc lourde. Je viens de recevoir un arc ou quoi? Mais attends. J'ai reçu un arc? Ah ah, oulolo. Attends. Au moins, tu sais viser une cible immobile. Approche. Pas mal. Au moins, ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Non, vraiment? Comment vivait ton peuple? Quel genre de vie as-tu mené? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente.
Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la grande mère. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Mm-hmm. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en, et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents. D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Parfait. Bon. C'est parfait, j'aurais plus besoin de son aide. Ok, bon. Ok, alors attends, que je comprenne ce qu'il vient de dire. Donc appuie sur ça et sélectionne l'onglet. Guide de chasseur. Guide de chasseur ici. Ok. Épingler. D'accord. Mais ouais, mais attends. Katnat fera les choses bien, comme toujours. Bon, j'ai pas trop compris là, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure ou plus tard. En quoi que ce soit, ok. D'accord. Etoua est jeune et naïve, elle doit faire le deuil. Oui, on mord ça fait quoi? Nouvelle recette? Let's go. Nouvelle recette. Et 12 minutes, 30% de santé de base, ok. Bon. Bon. Doit apprendre à tenir sa cherche la piste, la piste. Cherche la piste de l'actif d'un fond. Ah, ok. Ok. Ok, mais attends. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une... d'améliorer la qualité de l'air dans la frontière. Ouais, mais ça... la qualité de l'air peut être vérifiée au QG de la résidence et de laboratoire. Ok. D'accord. Et ça. Mm-hmm. Épingler. Attends, on va refaire. Tac, hop. D'accord. Ça, c'est une protection. Ok. D'accord. Ok. Parfait, je peux pas tourner. Okay, bon. Parfait. Qui voir sur la carte. Voir sur la carte. Utiliser ça pour viser les différents biomes. Ok. Merde. Excusez-moi. Ok. Désolé les gars, mais là par contre, moi je suis vraiment bigleur par rapport à ça, parce que là les gars, moi je suis daltonien, je vois pas les couleurs.
Ça, c'est vraiment la merde. Crée un marqueur personnalisé, place un repère. Affiché. Bon, bah écoute, on va essayer. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Pas mal ça, regardez-moi ça. Naître près de le... Ok. Bon. On va chercher d'autres, les gars. Des gants, j'ai des gants, ok, pas mal. Ça va plus vite les gars, ça va plus vite si je me TP, ça va plus vite. Comme ça je vais pas avoir le temps de marcher. Ok. Ok. Où est-ce que je dois aller moi? De nombreuses années se sont écoulées depuis la dernière visite de ton peuple. Tu... Oh! Et c'est reparti. J'ai un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter? Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que t'es le meilleur cuisinier. Ah, c'est un vrai charmeur. Enfin un peu d'honnêteté, Nefika.
Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens. Arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Bon. Y a-t-il un problème avec votre arbre en maison? Et Tua m'a dit qu'il souffrait. Mon père aurait adoré ça. Ah. Les Kinglors semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Ka'Nath préférerait qu'Etua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Ka'Nath devrait voir qu'il te reste quelques talents na'vi. Et j'aimerais aussi en être témoin. Comment ont-ils pu encore rater ça? Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Oh le con. Je dois faire quoi? Bah je dois faire quoi? Je dois faire quoi exactement là? Attends. J'ai pas trop compris. Ceux qui viennent du ciel dans leur sommeil. Comment ces maudits sautoutés ont-ils pu faire autant de ravages? Je n'en reviens pas. Fabrique un nouveau équipement à partir de la peau. Fabrique un. Ok. Va montrer à Ka'Nath comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. L'obscurité de la nuit dissimule tant de délices sirupeux. Pas cette couleur, non. C'est trop foncé. C'est où que je dois y aller? Pardon, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Alors, voyons voir. Hop. Voilà, parfait. Parfait. Un autre arbre. Enfin, un autre point, pardon. Du coup, que je voulais... Ah. Parfait. C'est quoi ça? Capacité de la sacoche médicale augmente de 1. Ok. Non. Bon, on va regarder tout ça.
Ok. Ok. Tu pourrais m'aider pour un problème que j'ai? Désolé mon gars. Attends, mais à qui recevoir? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Il m'en fait peur le mec. Fais-en bon usage. On va cuisiner les gars. On va refaire. Je me suis gouré les gars, donc on va faire ça avec de la viande. Et ouais, on va faire ça, voilà. Let's go les gars, donc 31 minutes. Oulala, je crois qu'on va faire 31. Ouais bah c'est... Après ça je coupe les gars, franchement ça va très vite, c'est un truc de ouf. Donc on va accepter, ou plutôt on va faire... Dès que je viens de cuisiner, je vais stopper ça les gars. Donc comme je disais, je vais essayer de mettre 2 ou 3 vidéos. Enfin 2 ou 3 épisodes par jour. Bien. Donc. Bien. Tu progresses vite. Ouais, qu'est-ce bon, que tu cherches aujourd'hui? Ok. Fais-en bon usage. Hop là. Fais de quoi as-tu besoin? Ok. Ouvre l'œil, mon enfant. Je devrais recommencer. Je vais perdre une journée. Donner. D'accord. Oups, pardon, excusez-moi. Qui aurait cru que les sarènes... As-tu vu vos âmes? Je m'inquiète pour elles. On va essayer de voir où je go. Et bon. Encore? Je suis inquiète. Et tu devrais l'être aussi. Allez, Imoun, ceux qui viennent du ciel. Essaie de mélanger le nectar. Ouais. Bon, c'est là-haut, je crois. Bah on va y aller voir. On va y aller voir. Bon, est-ce que c'est bien ici? Puis après celle-là on va couper. Bon. Ah. D'accord, on peut monter là. On peut monter là-haut. Ok. Oh le bordel. Ouais, je crois que c'est le plus haut que je peux monter. Ok, attends. Je vais essayer de voir ça plus près. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ok. Bon, bah c'est parfait. Par où est-ce que je dois y aller? Ah, ici, ok, parfait, on va y aller, let's go.
Allez. Ok, c'est par là. Tu t'es surpassé. La viande était tellement juteuse et les baies cuites juste à la bonne température rajoutaient du croquant. Alors, tu en veux une autre part pour la chasse de demain ? Tu me connais bien, mon ami. Et toi as raison. Ceux qui viennent du ciel sont des ordures. Ok. C'est ici. Nefika a bien travaillé. Parfait. Tu ressembles au Sarentu que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leurs conseils nous étaient précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel, la résistance les combat. Mais elle a besoin d'aide. Exactement. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes ? Non. La guerre est déjà là. S'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Oh. Te souviens-tu de ta famille ? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vu mourir ? A-t-elle souri une dernière fois, essayant de te rassurer ? As-tu vu la lueur d'Ewa quitter les yeux d'un être cher ? Eh bien, aïe, aïe. Je vois que tu as fait forte impression. Ka'Nat ne s'énerve pas facilement. Prends garde, Ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsaïk est revenu. Ah ! Yes ! Enfin ! Enfin, les gars. Enfin, on pourra y aller au sommet. Au sommet, les gars, au sommet. Let's go. Par où que je dois y aller, les gars? Par où que je dois partir? Au sommet. Et attends, j'étais dehors, près de la vallée du canal. Ah, c'est pour ça qu'on a autant de poissons. Ton voyage a été productif. Ça ne vient pas de nous. Des marteaux nous ont pourchassés. On a perdu nos sacs. Tout le monde dit savoir cuire. Tu as recueilli plus de nectar frais pour les Kinglords. Ok. On va voir. Attends. Par là, c'est où ? Ceux qui viennent du ciel, ils finiront recouverts de nos lances. Bon, j'essaie, hein, parce que là, compliqué. Ceux qui viennent du ciel pourrissent nos terres. Il faut les arrêter. Moi, je chasse pour trouver de la viande. Si ce n'est pas parfait, alors à quoi bon ? Bonjour. Tu pourrais m'aider pour un problème que je... Je sais pas les gars si c'est par là, mais je vais essayer parce qu'honnêtement on peut pas vraiment voir par où est-ce que on doit passer. Moi j'ai beaucoup de frais aller par là, mais pas du tout. Je crois, je sais par où que je dois passer. Je crois. Juste à côté, voilà, par là. Ouais, je crois que c'est par là, hein. Espérons. Merde. Je crois que c'est ça. Je crois. On va essayer de y aller. Est-ce que c'est par là ? J'en ai aucune idée.
Vous croyez que c'est par là? Ah, ah si, bah. J'ai trouvé. Allez. Les Kinglors sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sautoutés les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid? Oui. Et les Kinglors sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah. Tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider? Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a un toujours coeur. Su les apaiser. Pas mal. Un cœur solide. Je l'ai trouvé ici à l'aube. À on parle des ailes d'eux. Solides. Ça fait à un cœur solide. Pour eux. Bref, j'ai pas compris. Son amour les nourrissait. Pas mal. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquille. Mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive, et les seins restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Itou, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katnat. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa Tsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Allez, là où je dois let's go. Être. Zarbi, tout ça. Bon. Elle est partout, la dame. Vefilou va aller chercher Itou là-bas. Ah. Mais avant, on va faire ça. D'accord, chasseur disparu. Et on va ramasser aussi les petits trucs. Donc c'est quoi déjà? Le clan c'est épinglé. Voilà. Donc par où que je dois y aller? Je dois y aller derrière moi. Voilà, par là. Ok, let's go. Alors, par où que je dois y aller? Par là encore? Voilà, par là. Allez, let's go. Attends, est-ce que je peux mettre un marqueur, les gars? Voilà.
truc de ouf. Je crois que j'entends quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est ta sœur qui nous rejoint? Un Sarentu? Bonjour. Toi, ne voulais pas venir aussi? Katnat l'aurait-tu. Bonjour. Aimerais-tu te joindre à moi pour un repas et une histoire? Je te promets des saveurs qui raviront le palais et l'esprit. Ça a l'air super. Qu'est-ce que tu vas préparer? Moi, rien. C'est toi qui t'occupes du repas. Moi, je t'offrirai un cours de cuisine et une histoire. Après non, tout, non, non. Non, 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 pas d'histoire pour moi. Viens avec moi. Sarentu. Ça devrait t'intéresser. L'oreille a dit qu'elle voulait observer ceux qui viennent du ciel et les regarder farfouiller. Merde. Merde. Viens avec moi. Ça devrait t'intéresser. Nous avons une autre visiteuse parmi les Aranahe. Kukulope vient parfois commercer avec nous, mais personne ne sait d'où elle vient. Elle est aussi audacieuse que toi. Tu devrais la rencontrer. Je sais pourquoi tu viens. Oh, je veux t'aider. Okay. Ou me surveiller. Et Tuwa t'envoie. Elle veut s'assurer que je ne vais pas dire à Katnat qu'elle désobéit. Et Tuwa s'inquiète seulement pour Itu. Un vrai Sarentu. Toujours diplomate. Je l'espère. Un jour, peut-être. Peut-être aurons-nous besoin de ta diplomatie. Nous ne sommes pas des guerriers. Et j'ai peur que nous soyons allés trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui viennent du ciel se rapprochent. Alors nous les repoussons. Mais seulement nous trois. Pour que Katnat ne s'aperçoive de rien. D'habitude, tout se passe bien. Très bien même. Nous rentrons à la maison, nous célébrons. Mais cette fois, Itu n'est pas revenu. Ah, il a merde. Besoin de moi. Je dois y aller. Laisse-moi t'accompagner. Je vais refaire notre parcours. C'est trop loin sans Ikran. Je peux le chercher. Zome et lui sont peut-être plus proches que tu ne le penses. Peut-être. Il a un refuge près des colonnes de pierre, plus bas. Cherche une grotte au pied de la falaise. Prépare ton équipement avant de partir. Ceux qui viennent du ciel se déplacent en meute et utilisent les grosses feuilles pour amortir ta chute. Bon. Toi a raison. Ceux qui viennent du ciel sont des ordures. Ah, Sarentu. As-tu rencontré notre autre invité? Ah, Sarentu. L'oreille a dit qu'elle voulait observer ceux qui viennent du ciel et les regarder farfouiller. Ok. Parfait. Ces grandes feuilles semblent un peu fragiles. Une seule façon de le savoir. Quelle feuille? Je vois pas quelle feuille. Vous voyez quelle feuille là? Je vois pas trop. Bon. Merde. Oh.
quelque chose à te dire. Mais je la vois pas là. Salutations. Quel plaisir de rencontrer un ami. Tu devrais aller voir la pousse de Tarsiu. Il y en a une tout près d'ici. Ok, bah écoute, on dirait que je suis un peu perdu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je découvre beaucoup de choses. En tout cas, ça fait 51 minutes, les gars, que je suis en live. Enfin, en live, en rec, donc je crois on va couper. Puis simplement, je vais vous dire, bah, prochain épisode ou un autre gameplay, pardon. Et ouais, donc, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis bien sûr, si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, des commentaires si possible, puis je vous dis, bah, prochain épisode ou gameplay, salut.